Salut, on se retrouve avec le petit Lenormand pour un message. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde et les énergies ne seront pas interchangeables. Si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Je rappelle aussi que les cartes servent de support à la canalisation. Donc les messages que je vais vous donner n'auront pas forcément à voir avec ce qui est marqué sur les cartes. Première carte. Ici, j'ai un lien avec la mère très puissant. La mère, l'eau, hein. Je ressens un homme ici avec une position, j'entends dominante. J'entends aussi patron. Alors, soit quelqu'un qui est à son compte, ou alors j'ai cette idée de responsable. On insiste sur le chiffre 34. Et pour moi, c'est l'âge de l'homme en question, hein. Je ressens quelqu'un qui est très famille, hein. Et le bateau aussi est assez important ici. Peut-être qu'on fait des balades en mer. Je ressens aussi que la famille est très présente chez vous. J'entends 14, 15, 16. Peut-être des jours de naissance. On me montre encore le chiffre 34, hein, pour l'âge. Je rappelle que les informations, on me les donne, je ne les choisis pas. Il y a un voyage prochainement là. Je vous ressens en déplacement, mais j'ai l'impression qu'il y a une surprise concernant ce déplacement, mais vous n'êtes pas au courant. J'ai l'impression que vous ne vous attendez même pas à voir la surprise. J'ai aussi une rentrée d'argent prochaine concernant de l'administratif. Rentrée d'argent et dépenses prochaines. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on a appris des nouvelles dernièrement qui ont suscité de l'inquiétude. J'entends concernant le livre de la vie. Mais j'entends que ça concerne le partenaire, le ou la partenaire du cœur pour moi. Soit le déplacement se fait en période chaude, ou alors il a fait soleil dans la journée, à minima. Par rapport au déplacement qu'on me montre là prochainement. J'ai des contrariétés ici par rapport à une femme de votre entourage, mais j'entends enfant. Peut-être une femme avec qui vous avez eu un enfant ou avec qui vous avez été en couple durablement. Et du coup, j'ai des inquiétudes ou interrogations à ce sujet-là. J'ai l'impression aussi qu'on a eu un deuil aussi. J'ai l'impression qu'on a eu un deuil très récemment.
Dernière carte. J'entends qu'on est en attente d'argent ici. Et peut-être aussi qu'on espère faire un autre enfant, mais pas avec la femme dont je vous parlais à l'instant. J'entends concernant une autre personne. Mais pour moi, une autre personne qui connaît des difficultés en ce moment. J'entends difficultés karmiques. Je ressens quand même qu'on vous surveille, hein. Je m'adresse à des hommes, là. Mais il est possible que vous ayez une discussion assez houleuse avec la personne, hein, en question. Et je ressens un homme. Un homme possiblement dans un entourage professionnel, hein, quelqu'un qui peut être dans la même tranche d'âge que vous. Soit légèrement plus jeune ou avoir un statut, voyez, dans la hiérarchie qui est plus bas que le vôtre. J'ai quand même cette idée de jalousie, j'entends de reproche. C'est quelqu'un qui n'accepte pas sa place dans l'entreprise. Et aussi quelqu'un, un homme qui a un caractère assez particulier. On me montre le chiffre 11. Donc on vous dit attention que cette dispute ne se retourne pas contre vous. De plutôt la jouer fair play. Parce que j'ai l'impression qu'on essaiera de vous chercher des noises, mais pour monter. Alors je dirais pas un dossier contre vous, mais qu'on puisse vous faire passer pour le méchant ici. Et je ressens quelqu'un qui aime l'embrouille hein, en face. Je vous montre les cartes à la suite. Alors peut-être qu'on va en soirée ici où on se change les idées, on vous dit que c'est bien. Des fois, je ressens qu'on n'a pas la tête ou le cœur à ça. C'est ok aussi. J'ai l'impression que la personne du cœur non plus. Hein. Mais pour moi, c'est plus lié à des problèmes de santé ou des impératifs personnels. On me montre que prochainement, ces charges seront levées. On me montre le 17, possiblement à partir du 17 décembre. Parce que je vous disais que je ressentais que c'était très prochain. Dix-sept ou le 20. Je ressens de la fatigue hein, quand même sur la personne du cœur, surtout si c'est une femme. Hein. On vous dit de garder confiance et de garder courage aussi. Je ressens que des fois on peut se sentir un peu isolé par rapport à sa famille. Je ressens qu'on peut se sentir par moments isolé par rapport à sa famille, j'entends terrestre. Mais on me fait comprendre que vous avez des proches décédés qui sont aussi auprès de vous. Je sais pas pourquoi je reçois un enfant. Peut-être que certains ont physiquement un enfant avec eux là. Ou de temps en temps. Mais je ressens qu'un avenir est possible avec la deuxième femme hein, qu'on m'a montrée et qui sera entre guillemets plus légère à partir du 17. Hein. Parce que pour moi, c'est une femme qui est toujours en attente sur le plan affectif. Hein. J'ai cette notion d'insatisfaction sur le plan du cœur.
J'entends une reine aux cheveux foncés. Et peut-être que même cette femme n'a pas l'espoir de vous voir. Parce que j'ai l'impression que cette personne est aussi un peu résignée par rapport à cette distance. J'entends distance géographique. J'ai l'impression vraiment de deux cœurs à prendre. Je viens d'avoir un bruit. Mais pour moi, si vous faites, j'entends la paire, si vous faites un bout de chemin ensemble, ce sera. Pour moi, j'entends que l'avenir sera radieux. Hein. On insiste sur ces deux cartes-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'entends aussi qu'il faut vous ménager au sport. J'entends qu'il faut vous ménager au sport et faire aussi attention à vos quantités de bouffe. On dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.